mesdames et messieurs, bienvenue au grand spectacle de la guerre. Avec ses hommes canons, ses clous la moustache, ses moutons errants et ses loups féroces. Bref, prenez place pour la plus grande tragédie de l'humanité, la Seconde Guerre mondiale. Les causes. Ça va, on parle. Les causes. Là. Paul, mais rends-moi mes affaires là. De quoi j'ai l'air? Bon, alors on y va. Tiens, très bien. Chérail, chez toi, Piré, Mila, montrez-moi une carte de l'Europe. Ya. J'ai besoin d'un grand espace vital. Il nous faut un héros, un homme, un vrai, un militaire pour le sortir de cette situation. Moi, monsieur le président. Vous, Jacques Pétain, mais vous êtes trop vieux. Bon, mon petit Bogol, j'ai 84 ans. Mais je sais comment faire pour stopper les Allemands. Oui, il faut se battre. Non, il faut se rendre. Et sauver ce qui peut être sauvé. Maintenant, les couleurs, c'est rouge, blanc, noir. Avec des croix partout, c'est beaucoup plus joli. Hey, je compte sur vous pour faire régner l'ordre. Rassurez-vous, Adolphe. Notre blé demande la voix de la collaboration. Moi, je ressemble pas à un monstre. Pourquoi tu dis ça? T'es pas juif? Ben si. Quoi? Toi, Samuel, t'es juif? On va essayer mon nouveau régime, le régime de Vichy. Faust! Résister, c'est Sully. Bienvenue au premier conseil national de la résistance. Est-ce que tout le monde est là? Présent. Alors mettons nos forces en commun et nos opinions politiques de côté pour ne faire qu'un. La résistance. On mange des racines. D'accord. On dort sur des bois. D'accord. On ne sert pas, évidemment, au plus. On n'a pas fait pendant le rechange. C'est un petit peu comme le camping. Quoi. Ouais. Mais c'est la liberté. Il faut en parler. 7 millions de morts, c'est pas rien. Mais comment on fait? Débrouillez-vous.